Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner.
C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Eh oh. Ellie? La vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et... Je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts
I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir? Bandit. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue? Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends, t'as embrassé Dina? Je croyais... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas... Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher? Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé, c'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ok. Allez. Joël est réveillé. On a repéré des infectés au nord. Elle a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais, ils n'ont pas eu beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever.
Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah, pourquoi ? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. Maria veut te parler. Elle est où ? Au resto. C'est à propos de Seth ? Aucune idée. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves ? Hey, c'est vraiment pas cool. Désolé. Eh, donc, tu m'en veux pas, hein ? Toi ? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Salut, mon vieux. Oui, ça fait du bien. Salut. Hey. On aura assez. Salut, Jesse. Oh, salut. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth! Seth, viens là. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. J'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça ? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr ? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où ? Ils devraient être au poste de Guénan Ouest un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière ? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Viens par là. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde ? Ça va ? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre ? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, Dina ! C'est l'heure ! Deux secondes, j'arrive !
Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît. Dina, je peux te parler? Hé, les gars, je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok, on devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Je déteste vraiment ce gamin. On lui met la misère. Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché! Gare à vos miches, les petits cons! Oh merde! Mettez-vous à couvert, vite! Je t'ai eu! On n'est pas encore foutu, bande de nades! Mange ça! Je vais t'attraper, minute! Ah, t'aimes ça? Allez, tiens! Dans ta face! Ah, t'es trop nul! Aïe! Bon sang! Il est fort, ce gamin! Dans ta gueule! On va vous battre! Tu ferais mieux que te cacher! Ah. Dans les cheveux. Bim! Mange ça, petite merde! Allez, je vais venir te botter les fesses, pour de vrai! Ah, c'est pas juste! Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non! Sur elle! Vous allez pas vous en tirer! Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Ellie! Arrête! Allez, tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non! Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ça, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Yeah.
Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, Meta. Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Viens, c'est par là. La vache, ça grille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Plus on va vers le sud, plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manu. Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Oui, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. Je rêve. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Comme ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh mon Dieu. Hé, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen. Faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Ok. Mais
c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête! On se voit à ton retour. Vivant. Merde. Mon épaule.
faut que je trouve un point de vue. Mauvaise idée, Abby. Ok. Il peut pas être loin. Oh.
Où est la route? Allez, viens. Par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque? Jessie? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Tu peux attacher Payette ici. Hey. Tu veux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens. Merde.
Tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jesse ? Eugène. Ah, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Signe le registre. C'était quoi cet endroit ? C'était une tour radio avant. Et voilà. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Je vois un centre commercial. Celui avec le supermarché ? Non, la ville est plus loin. Ah, je vois le chalet de ski. Qui est sur l'itinéraire de Tommy et Joël. Ouais, c'est celui-là. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier ? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. T'es quand même canon. Merci. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir ? Oh, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? Non ! Peut-être. Gueule. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver.
que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Oh, je l'ai pas, celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes ? Ah, ouais. Tu fais quoi ce soir ? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh ! Et ça va, vous deux ? Ouais. Encore plus froid. Ouais, c'est vrai. Combien pour buter un élan ? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain ? Allons les trouver. Et surtout, comment on fait pour entrer ? Je vois Dina. Par ici. Coureur. Ouvre l'œil ! Il est mort. Et demain. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. C'est bon ? Ouais. Joli lancé, au fait. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur ? Ouais, c'est une bonne question, ça. Dina, par ici. D'autres coureurs. On fait pas de bruit. On va voir ce que ça donne. J'ai vu un coureur dans cette boutique. Mmh.
Il y en a pas d'autres? Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ellie, fais-moi monter, je vais jeter un coup d'œil. J'arrive. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secouée. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Alors, t'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé quelques trucs. Cool. Tu vois un moyen d'atteindre le toit ? Pas sûr. Par là. J'y suis. Moi aussi. Il y a peut-être du matos. Hey, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché? Je sais pas.
Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée.
trouve pas la sortie. Peut-être par là ? Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Hein ? Dina, tu peux m'aider ? J'arrive. J'aime les cadeaux. Ellie. Tiens, merci. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini. Il y en a un paquet ici.
en reste? Non. Tu sais quoi? On est impressionnante. Allez, on va au prochain poste de guet et on fait une pause. On l'a bien mérité. D'accord. Tu vois une sortie? Pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok.